Des trois, c'est vrai que le premier truc musicalement, c'est même pas la Motown, c'est General Motors, quoi. Tu vois, je veux dire, tu vois, c'est les bagnoles. JD, je pense que c'est vraiment le bel ambassadeur de Détroit. J'aurais bien voulu voir Eminem rapper sur des trucs de JD. On dit souvent que c'est un peu l'héritier surdoué de Pete Rock. Et c'est pas pour rien que Kanye West ou Pharrell disent que c'est pour eux le meilleur producteur qui existait dans le hip-hop. Il a trop d'amour dans ses sons, ça sent qu'il vit trop le truc. Il a produit des milliers de sons. C'est trop respectable et chaque son sont pour moi incroyables en fait. C'est son groove en fait qui me chamboule. Il a rapporté du groove et de la soul dans le boom bap. Donc c'est clair que ça le rend culte parce qu'il est le digne représentant d'une suite logique qui pourrait être Grandmaster Flash, Marley, Pete Rock et JD, tu vois. C'est une espèce de continuité où il nous rappelle la racine du hip-hop. Le mec relou, quoi. Quand je lisais les magazines comme Radical à l'époque, les interviews de Trap Called Quest, ils parlaient d'une formation nouvelle qui s'appelait The Yuma, où ils avaient découvert un type assez génial, et c'était donc JD. Je ne savais absolument pas que c'est lui qui avait produit Stacks Eye de De La Soul et les classiques de Farside. Donc je l'ai découvert, je pense, début des années 2000 avec Slum Village, G88. Ouais, une période que j'ai suivi, moi je pense quand il était avec Questlove, Erykah Badu et tout le truc un peu New Soul, West Aquarians. Je trouvais ça très très intéressant. Je pense qu'ils auraient dû le développer encore plus. Je me souviens plus c'était quelle année. Ça devait être 2007, un truc comme ça. Et on m'a parlé de Donuts et j'étais pas trop prêt à la première écoute en fait de Donuts. Ça me plaisait pas trop. Et au bout d'un moment, mon oreille s'est développée, on va dire. Et je me suis dit, c'est de la folie. Au niveau des samples, la façon dont c'est travaillé. L'univers que ça raconte au final, parce que tout est un peu lié entre chaque son. Ça m'a trop transporté, en fait. Sa particularité, c'est d'avoir donné un coup de frais au boom bap avec les influences qui étaient déjà Trap Called Quest ou Pete Rock, DJ Premier, enfin... Tout le monde connaît, mais lui il y a rajouté une manière de travailler, de découper les instrus, les samples. Il excellait dans deux machines, la MPC 3000, qui est une boîte à rythme à la base, où on peut séquencer des choses, et une SP 1200. Il a un sens musical, je dirais, hors norme. Il a ce qu'on appelle un swing. Donc il arrive à prendre n'importe quelle boucle et à te la faire swinger comme il en a envie, d'une certaine manière. Tu vois, ta tête, elle est... tu sais pas ce que tu fais, tu vois. C'est pas comme un Einsonder ou quoi, où c'est vraiment linéaire. Là, c'est que tu peux te prendre une boucle de deux mesures. Moi, ça me saoule pas, en fait. Je peux l'écouter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que sa patte, c'est ça, c'est d'arriver avec un truc assez minimaliste, avec des drums super efficaces. C'est son côté minimaliste en fait qui fait que ça rentre dans la tête et que tu t'en lasses pas. Pour moi, c'est ça la patte de JD. Il y a beaucoup de producteurs de Nice Wonder justement à Kanye West qui ont analysé ces découpages de samples, qui connaissaient les originaux, qui les avaient eux-mêmes et qui n'auraient jamais pensé à faire un flip du sample de la façon que JD l'avait fait, et ils ont halluciné sur sa façon de découper en fait. JD qui est un peu le parent de Black Milk en fait, ouais. Qui est un très gros producteur aussi, et il lui a donné un petit challenge. Donc il lui a passé toutes ses pistes et tout, avec le sample d'origine et tout. Sa MPC, etc. Et apparemment, il a vraiment pas réussi à le refaire en fait. La façon dont c'est découpé, et Black Milk qui dit c'était impossible, j'arrivais pas à le refaire. C'est une anecdote que j'ai entendue. Après, fausse ou pas, j'en sais rien, mais j'ai entendu en tout cas. Autant Premier fait du Premier tout le temps, il le fait super bien, mais c'est du Premier tout le temps. Pete Rock, c'est du Pete Rock tout le temps. JD là, il avait 50 styles de production différentes et il pouvait faire un truc dansant limite pour Janet Jackson. Ou remixer les Daft Punk. Et il pouvait faire une prod hyper crade pour Fat Cat et Guilty Simpson.
Miguel Atwood Ferguson, qui est un chef d'orchestre de Los Angeles qui est très proche de l'équipe Stones Throw et tout ça, et qui a fait avec son orchestre philharmonique rejouer violon, contrebasse, etc. Il a refait jouer les morceaux de JD en version symphonique avec Common qui vient, avec Talib Kweli, avec Bilal. Ouais, c'est incroyable. C'est juste un des plus bels hommages que j'ai pu entendre, parce que dans le rap ça n'a jamais été fait, et là, pour qu'un philharmonique puisse pencher un peu son oreille. Après, ils n'ont pas pris tous les meilleurs morceaux, mais juste entendre le Steak in High. Every word said quality is a quotable. Sick of bitches shaking ass, sick of talking about blood, sick of touch glasses, sick of slang, sick of half-assed award shows, sick of name brand clothes, sick of R&B bitches over bullshit tracks, cocaine and crack, bringing sickness to blacks, sick of swole head rappers with them sick in their raps. Tu vois que c'est pas juste une simple boucle qui tourne en rond pendant 4 minutes. Et bon, très honnêtement, une prod de DJ Premier rejouée par un orchestre philharmonique, on pourrait se faire chier assez rapidement. Mais là, il y a des nappes, il y a pas mal de trucs et tout. Et ça montre aussi la profondeur qu'un chef d'orchestre soit lui-même admiratif du travail d'un producteur qui a fait ses sons sur une MPC. Je trouve c'est une belle preuve. Enfin, il a vraiment rendu hommage au talent du gars, quoi. Et ça montre qu'il était, c'était vraiment un génie par rapport à ça. On sait que la techno, elle a ses points de départ à Détroit, et je pense que lui, en allant chez les disquaires, il a forcément eu des galettes dans les mains qui l'ont influencé après quand il a fait des instrus. Le hip-hop de Détroit est vachement influencé par des sonorités assez froides, électronique, qui tranche justement avec le côté beaucoup plus soul jazz de New York, ou le côté beaucoup plus funk de Los Angeles. Et donc il y a ce côté, apparemment, d'après ce qu'on me dit, c'est vraiment la ville où t'as pas envie de vivre, c'est vraiment le Dunkerque, le Dunkerque américain. Et du coup, ils ont ça, plus le côté métallique, ces sons froids de l'électro, où ils ont aussi des sons plus chauds, mais il y a ce côté électronique un peu froid qu'on retrouve dans les drums de JD. Et du coup, il a ce côté musique électronique mélangé au hip-hop, et c'est ce qui a créé ensuite toute la scène beat, la beat scene, dont Flying Lotus est un des ambassadeurs. La porte d'entrée, je pense aussi Welcome to Détroit sur BBE, qui est certainement un des meilleurs albums sortis dans la série instrumentale producteur de BBE, qui est, je pense, un vrai classique. Fantastique volume 2 de Slum Village, son groupe qu'il a sorti tout de suite derrière, dès que, quand je t'ai dit qu'il a fait Tribe Called Quest et The Yuma, derrière t'écoutais Slum Village et tu te prenais une baffe à chaque track. L'album, c'est 20 sur 20 à chaque morceau. Moi, je trouve que l'alchimie qu'il y a eu entre Madlib et lui, c'est la même alchimie qu'il y a eu entre Redman et Method Man. Tu disais, le couple là, il n'y avait pas mieux, quoi. Parce que Madlib, c'est quelqu'un que je trouve de fou, furieux dans le digging du disque. Mais par contre, dans la finition des prods, il est fini jamais. Et je trouve que JD, il a ramené juste ce qui manquait à Madlib pour pouvoir faire un truc cohérent. C'est vrai que l'album J-Lib, il est assez emblématique. Deux producteurs rappeurs qui sont plus producteur que rappeur, même si JD est quand même plus rappeur que Madlib, qui ne rappait que sous Loudpack et sinon avec Quasimoto, avec sa fausse voix. C'est vrai qu'il est assez incroyable, les sons sont assez incroyables. C'est, quand on sait qu'il devait bosser sur un deuxième, c'est quand même assez triste. L'histoire derrière cet album, le fait que ce soit sur Stones Throw, tout ça, c'est vraiment emblématique, c'est clair. Ah, l'hymne de JD. Ah, c'est compliqué parce qu'il a fait des tas de trucs. Mais je dirais To You For You avec Slum Village, j'adore ce son. Il
Dans Slum V, il y a des très belles prods comme Falling in Love. J'ai envie de dire quand même le remix de Farsight, She Said, c'est un bijou. Je me suis jamais penché sur la question, mais je serais curieux de savoir, que vu qu'ils sont de Los Angeles, comment s'est fait la connexion Détroit-Los Angeles. J'ai l'anecdote en fait. Ah. Parce qu'ils étaient invités, deux des mecs de Farsight, dans l'émission de Web TV de Snoop. Et donc ils racontaient qu'en fait ils étaient allés à New York pour rencontrer Q-Tip, qui devait plus ou moins bosser sur l'album. Et à ce moment-là, il était hyper occupé, notamment sur The Infamous de Mobb Deep. Donc indirectement, si J.D. s'est retrouvé cliqué avec Farsight, c'est grâce à Mobb Deep. Et donc il leur a dit, non, moi j'ai pas le temps, mais j'ai un mec à moi là, je peux vous faire écouter des prods. Ils ont écouté, et ils ont dit, mais en fait, tu te fous de notre gueule, c'est toi en fait, mais juste t'as utilisé un pseudo au cas où on te dit que tes prods sont merdiques, comme ça, ça te retombe pas dessus. Non, c'est vraiment un mec de Détroit que je viens de découvrir. Et du coup, ils ont dû l'imposer à la maison de disque parce qu'il était un connu à l'époque, donc ils leur ont dit attendez, faut qu'on le prenne ce mec là parce que dans pas longtemps il va blow up et il sera hors de prix, il faut qu'on l'utilise, etc. Et voilà, c'est comme ça que J.D. s'est retrouvé sur Lab Cabin California. Ah, c'est une belle histoire. Cool. Bah, tu vois, on savait pas. Je dirais le titre qui m'a inspiré mon blaze en fait, Midsize Caesar. D'ailleurs, pourquoi t'as décidé de prendre ce blaze là en référence à ce morceau? Je sais pas vraiment, en fait j'écoutais cette tape, c'était Just Taped, et cette track elle m'avait vraiment tué, et le titre je l'avais trouvé fou. Et c'était à l'époque où je cherchais un blast parce que mon blast était gangbeat et c'était vraiment trop flingué. Et ça commençait à être sérieux dans le jeu. Donc je me suis dit, faut que je me trouve un blast un peu mieux. Et j'aime bien les blasts un peu avec des noms composés. Et voilà, j'ai juste séparé le blast de ce titre-là qui en même temps c'est un hommage parce qu'en vérité, c'est l'un des gars qui m'a poussé à. Qui m'a donné envie de faire des sons, des instrus. Fog de Police, qui est très bien, qui est un de ses morceaux emblématiques sur lequel il rappe. Je pense que ça devait être un de ses morceaux préférés à lui parce que c'était un morceau finalement assez engagé de J.D. avec ce côté un peu Kyra. Beaucoup de gens l'ont vu comme quelqu'un d'assez cool, etc. Et en fait, c'était un mec assez remonté. Il faisait pas que du rap de backpacker. Vous pouvez vous considérer comme un backpacker rapper? I mean, yeah, that's how I started, man. You know, there was a time where I wouldn't listen to anything unless it was produced by Dilla. À un moment, à la fin de sa vie, il était un petit peu catalogué rap de blanc, on va dire. Mais bon, moi je suis blanc, donc c'est pas péjoratif. Mais c'était quand même un mec qui venait des ghettos de Détroit et qui faisait quand même du rap de caille, mais qui le faisait avec beaucoup de talent. Donc voilà, ça je trouve ça. Et surtout, j'ai acheté le picture disc incroyable avec un badge de police géant. Sinon je dirais Cold Steel de Fat Cat, qui est un morceau énervé qui sent le caniveau de Détroit à 2000%. Il y a ça, et il y a un morceau que je trouve mortel, c'est Men's World de Gulti Simpson, produit par J.D. avec un texte de Gulti Simpson qui parle de son père qui est où il s'est pris des grosses torgnoles. Et ce morceau, du coup, il a jamais pu sortir parce que il a pas pu être tiré, etc. Il est sorti qu'en vinyle et prod de ouf de J.D. Tu vois, on pourrait débattre longtemps. Attends, hein. Si, oui, attends. Il y a le morceau qui s'appelle EMC2 avec Common. Move de Ono. Alors, ouais, il sera emblématique parce qu'effectivement, il a repris le son. Ouais. Jean-Sébastien Bach, donc la manière dont il le, comme il a dit Emmanuel, la manière dont il le flippe, tu vois, il le retourne, le sample, oui, je pense que c'est un morceau guerrier, quoi. Quand tu l'entends, c'est juste, ça t'emmène
dans une énergie autre. Est-ce que tu peux me refaire Jean-Sébastien Bach, s'il te plaît? Parce que là, on dirait Europe. Final Countdown. Ouais. Non, ouais. La façon dont tu le commences. Et honnêtement, en fait, j'ai dit ça à Fab parce que donc on fait les soirées Jedi-La avec Fab depuis maintenant plusieurs années. Et ce morceau Move, donc, qui est un morceau de Ono, sur lequel dans le clip il y a Aloe Black, il y a Roxy dans le morceau aussi. Et ce morceau crée l'émeute à chaque soirée. C'est un morceau complètement hallucinant et on a vu plein de gens qui n'étaient pas des spécialistes de Jedi qui ont halluciné sur ce morceau. Donc voilà, donc ça c'est un morceau très emblématique, mais c'est comme donner le meilleur morceau de Stevie Wonder ou de Michael Jackson. C'est hyper dur, il en a fait 50 000. C'est vraiment un mec. On fait quand même pendant les soirées de Jedi-La 5 heures de morceaux produits par Jedi-La. Et dans le hip-hop, à part Dr. Dre, Pharrell et Premier, il n'y en a pas beaucoup ou peut-être Pete Rock, il n'y en a pas beaucoup des producteurs dont on peut jouer la musique sur toute une nuit. Les soirées qu'on a pu faire 5UJD, ce qui était très cool, on a fait venir Aushus qui était son DJ officiel, on a fait venir J-Rock qui était son DJ officiel, on a fait venir Black Milk. À chaque fois les mecs sont arrivés, ils ont halluciné, ils ont fait mais à Détroit, quand il y a des soirées 5UJD, c'est dans un petit bar et il y a 100 personnes. Et là, à chaque fois, chaque année, il y a 1000 personnes qui dansent sur les morceaux de JD. Et les mecs ont halluciné en disant, c'est fou qu'en Europe, en fait, il y ait plus de reconnaissance envers JD que dans sa propre ville natale. Quand il est venu à Paris, il est venu dans cette boîte qui s'appelait le Divan du Monde. Il y avait trop de monde dans la salle, on l'a attendu, il s'est pointé avec un bras dans le plâtre. Et là, il s'est fait incendier, les gens n'ont pas compris pourquoi, comment. Je me souviens, c'était les mecs du Saiyan Supakru qui disaient « Back to Detroit », ils l'insultaient et tout. Ça aurait été une belle fois si effectivement les Parisiens étaient un peu plus disciplinés, de pouvoir l'occasion de voir JD mettre des disques et passer sa musique. Et en fait, ça s'est fini en pugilat, n'importe quoi, un peu d'amertume. Effectivement, quand on connaît un peu JD, JD il était quand même 10% du temps rappeur, donc les gens qui sont allés, qui ont gueulé en même temps, il a fait un DJ set avec Dank qui hostait, moi j'y suis pas allé, mais bon, aujourd'hui je pense que s'il était encore vivant, les gens paieraient bien cher pour venir voir un DJ set de JD. La deuxième fois que je l'ai vu, c'était peu de temps avant sa mort, en fauteuil roulant, lors d'une soirée de DJ Fab, c'est comment, Hip Hop Résistance. J'étais le chercher à l'aéroport, j'étais avec sa mère, c'était beau parce qu'il était dans son fauteuil roulant et il sentait vraiment que c'était la fin, mais il rappait, il avait envie d'être sur scène. Avec Frank & Dank, Fat Cat, tous les rappeurs qui tournent autour de lui, donc ça envoyait du lourd. Mais au moment où JD est arrivé, ça a un peu séché la salle, de le voir en fauteuil. What up, though? Yo, it's a blessing to be out here right now, bringing you this celebration. J'y étais pas parce que je me voyais pas aller le voir alors qu'il était effectivement pas en état, et je sais qu'il y avait tous les fans ultimes, parce qu'il y en avait déjà à l'époque qui étaient des fans et qui étaient tous là en pleurs, il y avait énormément d'émotions. Il a une mort tragique, vraiment tragique, le comble de l'injustice. Donc c'est aussi ça qui a créé cette aura. Il avait une aura aussi par son humilité, par son professionnalisme, par sa générosité. C'est vraiment quelqu'un qui,
qui apparemment a fait l'unanimité autour de lui. Il connaissait tout le monde, il était le roommate de Common, enfin un mec qui avait l'air d'être génial. Tout le monde avait envie d'être son pote, tout le monde était émerveillé par lui, et il a ce côté producer, c'est-à-dire vraiment tous les producteurs, donc Kanye West, Pharrell, etc., disent mais c'est notre héros, quoi. C'est-à-dire que pour eux, c'était vraiment le Saint Graal, c'était le meilleur producteur sur Terre. We gotta make music and we think like if Dilla was alive, would he like this? Like I have to work on behalf of Dilla. Jay Dilla, il a créé une génération d'héritiers qui sont des gens qui font pas du pit rock, qui font pas du JD, mais qui ont été énormément influencés par les boucles un peu électro que lui a pris. Et donc aujourd'hui, il y a une école Jay Dilla. Voilà, alors qu'il y a plus ou moins une école Premier ou plus ou moins une école Dr. Dre, il y a vraiment une école Jay Dilla. Et il y a énormément de gens qui se réclament de lui. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est un artiste culte, parce que tout le monde se réfère à lui dans les interviews et tout le monde lui rend hommage. Moi, ça m'en fout quand j'écoute du JD. Vraiment, je suis dans un délire. Ça me rend plus fou que quand j'écoute une trap bête. Tu vois, j'aime bien la trap, j'aime beaucoup de styles différents. Mais JD, c'est trop, genre, il y a trop d'émotions, moi, ça me touche beaucoup, en fait. Donc ça me touche, ouais, je ressens limite plus de feeling que quand je suis avec une femme que j'apprécie, tu vois ce que je veux dire. Moi qui fais donc du beatmaking, c'est clair que je... Il m'a fait emprunter des directions que j'aurais peut-être pas pris si lui, il n'était pas arrivé avec donc cette fameuse patte, ces fameuses boucles, sa manière d'appréhender les samples. Ouais, il a changé ma vie de beatmaker en tout cas. Effectivement, il produisait tout le temps, mais du coup, il produisait des bribes de morceaux, des trucs de 10-15 secondes qui, a priori, pour certains, ont été repris en studio par des proches. Donc, il faut faire gaffe. Là, c'était quand même il y a 10 ans. Là, il sort un truc qui s'appelle Dilatronic. On attend de voir, le premier morceau est pas mal, mais c'est beaucoup d'argent, enfin beaucoup des questions de sous parce que ses frais médicaux ont coûté très cher, parce que sa mère a la même maladie, parce qu'il y a beaucoup de trucs comme ça. Il faut payer des dettes et tout ça. Et du coup, peut-être qu'il y a quand même beaucoup de trucs nuls qui sont sortis après la mort de JD et qui, à mon avis, auraient jamais été validés, et qui sont des sous-morceaux, enfin voilà, comme des fonds de tiroir, quoi, que les gens sortent pas parce que c'est des fonds de tiroir. Bah là, en fait, il y a tous les fonds de tiroir, tous les trucs qui étaient dans la corbeille, dans la poubelle et tout ça, qui ressortent comme des vrais morceaux de JD. Et y a, comme il y a ce statut culte et de respect par rapport à sa mort, par rapport au travail de sa mère, etc., de reconnaissance, les gens osent pas critiquer en disant que c'est de la merde. Mais il y a quand même beaucoup de morceaux complètement pourris de JD qui sont sortis après sa mort, mais qui ne sont pas des morceaux de JD, qui sont des morceaux que lui-même n'aurait certainement jamais sortis, quoi. Je sais pas, quelqu'un qui est décédé, tu le laisses-le tranquille. Tu vois. Après, c'est cool, nous on est contents, on découvre des trucs qu'on connaît pas et tout, c'est bien. Mais ouais, mais même House Shoes, qui était un ami très proche de JD là, et il a vraiment des coups de gueule par rapport à ça, par rapport aux sorties et tout, il est pas du tout d'accord avec ça. La vente des cassettes, la vente, t'imagines, vendre toute sa collection de vinyles et tout, moi je trouve ça horrible, en fait, tu vois. C'est cool pour les gens qui les achètent, ils sont contents, mais moi, tu vois, si je pars, laissez ma collection tranquille, laissez-les chez moi, avec ma famille, les vendez pas sur eBay, quoi, tu vois. Je pense qu'ils auraient, horrible, ils auraient dû la léguer à une fondation, à un musée. Ouais, franchement, ouais, ouais. Franchement, un musée, tu vois, Ouais, franchement, ouais. Est-ce que t'as payé ton pèlerinage à Montpellier ? À Montpellier, pour quelle raison ? Je sais qu'il y a une rue à son nom. L'allée JD, je crois. Exactement, l'allée JD, et à ma connaissance, c'est le seul cas en France d'une rue nommée d'après un artiste rap, ouais, quoi. Ouais. C'est incroyable. C'est cool. C'est le mec, il est fan, je sais pas qui c'est, un mec de la mairie ou j'en sais rien, et il a droppé son nom, c'est lourd. D'accord, j'irai à Montpellier me recueillir. Au point.